dramatique française occupe dans ses usines plusieurs milliers d'ouvriers. Son répertoire, c'est précis. Aujourd'hui, on ne parle plus comme ça. Répand dans le monde entier les accents des voix les plus célèbres de l'opéra comique et des grands concerts. C'est un fait bien connu que Pathé s'assure, par contrat, la collaboration de tous les artistes dont les débuts. Je trouvais que c'était important qu'un endroit comme ça existe. Surtout dans ce quartier, qui est un quartier qui, historiquement, est un quartier d'artistes, de musiciens. Et les pièces qui sont entreposées ici sont des pièces de collection, certains d'exemplaires uniques. C'est vraiment génial qu'ils soient mis à la disposition des yeux du public, des Parisiens et évidemment aussi des gens de passage dans le quartier. Et Dieu sait s'il y en a. En fait, c'est ma femme qui m'avait parlé de ce musée et on est venu avec nos enfants le visiter. Et on a été enchantés parce que, en fait, on a eu des explications très détaillées, presque personnalisées, je dirais. Et les enfants ont pu voir finalement comment ça marchait le son avant. Donc, on a appris les différences entre pathéphone, gramophone, grimophone. Voilà, donc ça nous a bien plu. On a passé une petite heure ici. On est enchantés. Superbe. Je suis vraiment. Ça fait un moment que j'habite dans le quartier. Et je ne savais pas que ça existait. Enfin, je suis passée devant sans faire attention en me disant que c'était un magasin de vieux instruments comme il y en a beaucoup. Et en fait, il y a plein de vieilles machines qu'on peut écouter. Ça transporte dans le passé. Oui, c'est scotchant, c'est superbe. Oui, j'ai lu l'article dans 20 minutes, effectivement, qui disait qu'il y avait des soucis financiers pour ce musée. C'est dommage. Bah, c'est pour ça qu'on est venu aujourd'hui. On s'est dit, c'est quelque chose de simple déjà de venir le visiter. L'entrée n'est pas très chère, mais c'est toujours ça. Pour le musée, s'il peut continuer pour les gens, c'est très bien, pour le quartier. Oui, c'est vraiment dommage parce qu'il y a des modèles uniques. C'est vraiment le quartier pour soutenir ça. Puis mine de rien, dans ce quartier, il n'y a pas énormément de points de culture. Donc il faut le maintenir, c'est important. C'est toute une partie du patrimoine culturel français et mondial qui est menacée. Quand on menace de fermer un musée, surtout celui-là, on a cours pour voir, pour ne pas être lésé. Et franchement, je crois que beaucoup de gens seraient lésés s'ils ne pouvaient pas voir un peu tout ce magnifique matériel. Finalement, tout ça est issu d'un long passé. Puis comme je travaille pour la société Pathé, il y a aussi cette historique qui m'intéressait. Donc c'est bien si ça continue. Donc il faut qu'il soit le plus connu possible. Voilà. Aujourd'hui, on a une vision du son assez déformée. Le MP3 est beaucoup plus lisse. Cette chaleur, cette texture du son. D'ailleurs, c'est pour ça que le vinyle revient beaucoup à la mode, parce que justement, on recherche les petits craquements, on recherche la matière. Et ici, là, on est vraiment aux sources du vinyle. Et on comprend pourquoi ça a créé un tel engouement à l'époque. Et encore aujourd'hui, c'est magique, alors que pourtant, ça date de plus d'un siècle. La machine que j'aime le plus... Alors, il y a celle-là. Qui est assez scotchante, parce qu'en fait c'est de la fausse stéréo, c'est-à-dire que les deux, chaque haut-parleur, j'espère que j'ai encore les bons mots, est rattaché à ce petit lecteur qui prend le même sillon et qui le lit dans un sens différent et qui fait un effet stéréo. On a été très bien reçus, et voilà, j'encourage tout le monde à venir visiter ce musée. Les enfants aiment bien aussi. Tu as bien aimé Ambre ? Oui. Bon ben voilà, c'est simple. T'as quelque chose à rajouter, non ? Non. Non ? Tu soutiens aussi le musée ? Oui. Alors c'est 500 euros. Ouais. Voilà.